On va aller voir ce qu'il y a au centre de ce foutu lac glacé. Moi, j'imagine bien un putain de dragon céleste qui sort des eaux et tout. Et non, ce sera juste un crapaud à la con, mélangé à un singe, covidé. Tu vas pas être déçu. Ah. Alors soit on va voir du coup Jennifer Lawrence, soit on va effectivement voir un dragon fusionner avec Jennifer Lawrence, on sait pas. Allez, j'oublie pas ça, j'oublie pas. Alors attention. Ah donc il y a bien un truc qui va sortir de sous l'eau. Ça sent la grosse tortue de feu. Tu devrais te barrer, je pense. Oh non, pas cet enfant. Oh non, et en plus, il y a des pieds. Elle a changé, Jennifer Lawrence. Elle a un petit peu changé, ouais. Ça vient des lobes d'oreilles. Ils étaient pas aussi gros avant. 出来帮为师试试他的成色。La dinguerie, j'ai vraiment deviné que ça allait être un putain de dragon. Ça m'a beaucoup rappelé en fait cette phase dans Sekiro. Moi j'ai dit ça au hasard, hein. Quel beau gosse. Je suis trop un beau gosse. J'anticipe tellement tout, je vous connais par cœur. Alors par contre il est très stylé, mais comment on combat un dragon à l'aide? Ah les dégâts, ouh. Ah ouais, bah il m'a mis, il m'a enlevé 3 quarts life. Alors mec, un dragon qui fait de la foudre, toi tu sais comment parler à Savon toi. Bon bah plus beau boss depuis le début du jeu, hein, il faut le dire. En fait, il a du mal à le loquer celui-là. Il a du mal à le loquer celui-là. La touffe de multiplicité est pas partie du coup. Bon, il va pas être très agréable à combattre celui-là. Hein.
Descends! Descends! C'est un bordel. Ah bonjour. Ah ouais, alors il va être insupportable à combattre. Hein. C'est au rayon sol. Bien joué. Mouda, mouda, mouda. Il faut le brûler. On peut pas le brûler. Merde. Oh, il est insupportable à combattre par contre. Come on. Bon, faut que... Je ne peux plus bouger. Ouais, j'allais dire si je l'ai. Ah, dommage, j'ai essayé d'esquiver. Bon, c'est dommage, le first try était clairement possible, mais il est insupportable à toucher. Bon, il est très stylé. C'est le boss le plus stylé depuis le début du jeu, je trouve. Moi, tu me mets un dragon qui lance de la foudre, c'est bon, quoi. Let's go. Merci, The Rock, pour le cinquième mois. C'est Rayquaza. Ah, il est très, très stylé, il est très stylé. Bon, par contre, il est insupportable à combattre, mais il est très stylé. Par contre, vraiment, j'ai vu la gueule de la zone, je me suis dit dragon céleste. Bon. Bah, c'est tombé juste. Les dégâts qui calent. The fuck. Nice. Allez, je vais retenter. Le début du try me donne pas envie de continuer. Merci Ben Ben pour le troisième mois. Le treizième mois, pardon. Ça ne servait à rien de continuer. J'avais utilisé mon invoque dans le vide et puis il m'a mis trop cher au début.
Par contre, le... il me fait du mal là avec son choc. Est-ce qu'on a un truc pour... Ouais, on a ça. Ok, flèche de droite, let's go. Oh là 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 là, mec, il est beau. Oh! Ouais, j'ai esquivé encore une fois. Je l'attendais. C'est pas grave. La musique est très cool aussi, ouais. Et bien joué ça! Mal joué ça! Ok, je l'ai eu. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, il est vraiment insupportable à combattre, par contre, le petit coquin. Je le trouve très beau, hein, mais au secours. Ok. Il va me faire sa foudre. Je vois pas ce qui m'indique que c'est la fin du buff. Dommage qu'il n'y ait pas d'icône qui te mette quand est-ce que se termine ton buff. Putain, je vois que dalle. Je ne vois rien du tout. Ah ouais, il est insupportable à combattre par contre. Il est insupportable à combattre. C'était pas un bon try de toute façon. L'icône est juste en dessous de la stamina là, en tout petit minuscule. Ah, bah j'ai pas vu.
Allez, on retente. Vraiment dommage, hein. Premier try, on était à deux doigts de l'avoir. Mais il est assez insupportable à combattre, hein. Je pense que lui, c'est typiquement le genre de mob contre lequel faut pas utiliser le clone. Il faut que j'utilise la pétrification. Et si je peux esquiver son coup de merde au début? Ok, ça on va esquiver. Ça a bon goût les Dragon Ball. Ah bah je sais pas, c'est lui qu'il faut demander, hein. Vu ce qu'on lui met depuis tout à l'heure. Vite, Jamie! Remets-toi de tes émotions! C'est au rayon sol, quoi. Hein. Enfin, rayon sol foudroyant, bien sûr. Ça, c'est cool. On esquive la queue. Tombe. Tu vois, les clones, ils servent un peu à rien, là. Je crois qu'on l'avait vu dans les trailers, boss, si je dis pas de bêtises. Descends, ma couillasse! Eh ouais, on gâche le coup fort. Je peux pas le brûler lui, hein. Je peux pas le brûler. Ça, c'était joli, ça. Fais pas le coup de queue. Il l'a fait. Dommage. Et double esquive parfaite, c'est bien ça. Oh putain, regardez ce combat de boss, quoi. On voit rien.
Ok, dommage, on avait fail first try. Pas dur. Pas un boss dur. Mais il... Enfin, plutôt il. Je corrige de ce que j'ai compris, elle. Plus beau boss depuis le début de jeu. Mais comme quoi, hein, tu commences à reconnaître un certain pattern, hein. J'avais deviné que ça allait être un dragon. Y'a rien là, y'a rien. Y'a que dalle. C'était un rêve. Allez. Ça m'étonnerait pas que j'ai oublié des boss. Hein. Ici Crima, y'en a partout. Ça m'étonnerait pas. Alors, what the fuck, je suis en prison. J'ai l'impression que Black Myth: Wukong n'est pas dur comparé aux Soulsborne et aux autres Souls-like. Alors, le jeu est dur, mais effectivement, comparé aux autres Souls-like, non. Pour le moment, ça va, il est plutôt tranquille. Il y a eu le boss de la fin de chapitre 2, qui nous a pris une heure quand même. Mais on avait réussi, on avait quasiment réussi le troisième try. Mais quand tu sors des autres Souls, non, Wukong ça va, il est pas hard, ça va. Pour le moment du moins. Le mec on le fout en prison avec ses armes. Dark Souls vibe. Les archives du Duc vibe. Oh, c'est dommage, c'était joli la petite zone enneigée là. Vous nous foutez en prison. Il a fait un truc à ma vie là. C'est quoi ça? Ça passe quoi? On est sur ce genre de truc de Dark Souls 3. On est sur ce genre de mob de DS3 qui te réduisent ta vie, quoi. Ah oui, donc dès que je pop, en fait, j'ai ça, ouais. Ah oui. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Châtiment diluvien inflige des dégâts de foudre à l'ennemi au lieu de dégâts de zone. Je sais pas ce que c'est, châtiment diluvien, frère, mais ok. Moi, je prends, hein. Dégâts de foudre, let's go, hein. Bon alors, est-ce que ce serait pas toi, là, depuis tout à l'heure? Hein? Have you go invisible? Casse-toi.
Ça, c'est dommage, on avait une petite, petite zone enneigée là. On se retrouve en prison, putain. Alors eux vraiment, c'est les rois des cons au pays des emmerdeurs. Hein. Mais bien sûr. Tu comptais de stag ou... Non? Ouais, que je fasse gaffe parce que je sais pas si on peut reset dans ce jeu. Pas trop tout monter n'importe comment. Il y en a un en haut qui va me péter les couilles. Ça va que c'est pas Dark Souls, on va pas tomber. Ok. Probablement la pire zone du chapitre 3. Bon, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Ça donne envie tout ça. Bonjour. On se fait péter la gueule. Qu'est-ce qui me touche là? Y a un mec qui me tire dessus à la flèche. Ok, lui c'est mort. Ouh là là, j'ai encore l'effet chelou là. Putain. C'est ces mecs là en fait. J'en sais rien en fait. Je crois pas. Je crois bien que c'est les grands monsieur. Ah là c'est reparti. Ah non ça revient. Au secours. Au secours. Tu considérais qu'il faudrait quel level pour attaquer le DLC? Moi je considérais level... Qu'est-ce que j'avais mis dans ma description au début de... Je mets toujours mon level dans la description de mes techs. Je dirais level 150 dans mes souvenirs. Alors. Bon apparemment c'est la zone de con du jeu. Super. Sable ferreux raffiné. Ok donc ça c'était un truc qu'il nous fallait pour une armure ou je sais plus quoi. Il y a un truc important. Alors soit on monte, soit on va là-bas, soit on ressort. Je comprends pas trop l'utilisation, enfin le fonctionnement de ces gros trucs là. Il suffira d'une étincelle. Une élégante tasse à thé en porcelaine. Bien joué, ça ne sert à rien. Deg. Je connais Nio, ouais.
Après, j'ai jamais joué personnellement, mais je connais Nioh. Ok, on revient ici. Bon, mais écoutez, on va monter. Attends, je rate rien là-bas. Ça sert à boire du café. Tu dis des mots vrais, hein. Ça sert pas à rien. Mais est-ce qu'on a envie de boire du café là tout de suite? Un truc qui bouge là en haut. Là. Il se passe des choses bizarres dans ce monde, messieurs dames. Ça, c'est le genre de monde où vaut mieux rush que taper. Je pense, il y a un truc en haut là. Putain, culé. Petite salope. J'avais oublié. Alors, soit on va là-bas, soit on va là-bas. La suite du level m'a l'air d'être par là-bas. Donc, je vais aller par là plutôt pour le moment. On voit rien, putain! C'est le genre de monde où peut y avoir des gens à chaque coin. C'est un mimique! Attention! Non, ça va pas, le mimique. Ah, putain, j'ai encore l'effet chelou là. Stop, j'ai brisé la malédiction là, stop. Je les ai butés, stop. Au secours. Et si je reste là-dedans? Non, ça me touche quand même. Je ne comprends définitivement pas le fonctionnement de cette merde. Point. Putain, dégueu. Encore. C'est bon, c'est parti. Bon, je comprends pas trop le fonctionnement de ce truc. Je crois que c'est par rapport à ça. Ça se met à tourner quand... J'ai l'impression que ça tourne plus vite quand j'ai la malédiction. Tout ça, c'est bizarre. Bon, là, c'est bloqué. Et alors là, je vois vraiment pas comment l'atteindre. Peut-être que quand je suis sous l'effet chelou, les portes s'ouvrent, j'ai pas vu. Ça, c'est un bordel. Il se passe trop de choses. Mur invisible. Connard. Parfait, ça. C'est le genre de truc qu'on aime bien, ça. Oh, ça, on adore, ça. C'est tout ce qu'on aime. Bien sûr, t'es pas stag. Ok, redonne-moi un peu de popo. Bon, on a raté quand même deux coffres. Ah oui, ça redonne vraiment pas mal de vie, ça. Ah oui. Faut résister, mais...
Petit coquin. Oula. Ça... Oulala. Oulalalala. C'est quoi ce bordel là? Allez mon pote. T'as l'impression de jouer avec 300 de ping là quand t'as ce mob. Ok, alors là je vois qu'il y a un checkpoint pas loin. Ouais, ça revient. J'avais cru voir un checkpoint pas loin là. Ah, ça peut tomber ça, nice. Ouais, c'est un bordel. Pas de mob. Faut récupérer un peu de popo. En fait, je crois que ça se stoppe de lui-même, hein, ce truc qui tourne au milieu là. Et comme quoi, vous voyez, ça peut pas être un boss rush, quoi. Je veux dire, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de boss. Comme quoi, il y a des phases comme ça. Hein. Ah, ça c'est ma porte qui grince. Ça c'est de la zik. Alors, elle me dit d'aller par là-bas. Bonjour à tous, et bim. Alors, deuxième checkpoint. Pas encore de mort là-dessus, là sur cette zone de con. Bon alors par contre, je ne comprends toujours pas comment ouvrir cette merde. Je pense vraiment que c'est lié à ça. La prochaine fois que ça tourne, j'essaierai de trouver une porte comme ça, mais... En tout cas, oula. Oulala, se passe quoi là-bas, là? Oh putain de merde. C'est quoi cette merde? Capitaine Vision de Lotus, Captain America. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Crevez-lui la gueule! Oula.
Ah ouais. Ah ouais. Pas le taper ça. Ok. Merci Better Paladin pour le 24e mois. Boss nul hein. 2 mois OMG triple carotte, Better Paladin VIP. Non. On me le banne. Bon boss nul hein. C'est pas les meilleurs c'est pas les meilleurs patterns quoi hein. Il est un peu tout pourri le boss. Ah, il est vraiment nul, hein, pour le coup. Ça, c'est le genre de boss qu'on aime pas, ça. Hein. Alors, est-ce qu'on peut contrer ça ou pas? Est-ce qu'on peut le taper? Alors, tape. On peut pas le taper. Bon, je pourrais le lock, je pense. Ouais, bon. Quel est ton ressenti actuel sur Mythe Noir Singe? Et la version PS5 qui serait buggée, c'est une fake news du coup. Bah écoute, moi je pourrais pas comparer avec la version PC. Mais la version PS5, moi, me semble pas si buggée que ça. Hein. Ça va, franchement. Je crois qu'on a eu un ou deux freezes, mais de quelques secondes. Mais il n'y a pas eu d'autres soucis, quoi. Franchement, ça va. Ça va, ça va. Déjà, si j'arrêtais de perdre de la vie à chaque fois que j'arrive. Mais ouais, sur PS5, ça va. Hein. Et boum! Et j'ai... Merde, j'ai plus d'endus. Mais tu peux esquiver ailleurs, frère, genre vraiment.
Il s'adapte. Il apprend. Oh le bâtard, il est remonté. Oh non, c'est pas le moment, frère. Et ouais, parce qu'en plus, tu as la statue qui te... T'as la statue qui te gêne de l'autre côté. Fais quoi ce con, hein? Hein? J'ai rien compris. Je pense qu'il y a moyen de désactiver la statue du milieu pour empêcher ce genre d'handicap. Mais bon, écoute, je l'ai fait à la One Again Beast to Fly. Hein. On l'a amélioré deux fois la gourde. C'est juste qu'on a mis un buff qui fait qu'on lui fait récupérer peu de points de vie au début, mais qu'après en contrepartie, elle nous en fait récupérer plus sur la durée. C'est Dragon Ball qui s'inspire de Wukong, de la mythologie. Bon bah finalement les gars, il aura fallu 10 heures hein, pour qu'il y ait un premier degré du coup qui nous le précise. Je trouve que c'est plutôt un beau score. Je suis plutôt fier moi de mes viewers. Je m'attendais pas à ce qu'on aille jusqu'à 10 heures. Je suis plutôt fier de nous là. Je tiens à le dire. Il aura fallu 10 heures. Et premier degré, je suis plutôt content, hein. Vraiment. Moi, je nous aime. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je dis, 10 heures même? 11 heures? Non, 10 heures. J'essaye de tricher. Mais... Ok, let's go! Bon, alors, je sais pas du tout si c'était comme ça qu'il fallait buter le boss. Ah, mais attends, maintenant, on peut interagir avec les portes. Alors, avec un peu de chance, la statue du milieu va arrêter de... Ah non, elle bouge encore. Holy shit. Il y a un mec qui est passé, là. Voilà, Popo, tu vois, elle récupère peu à peu. Là. Ça, c'était stylé, ça. Bien. On va peut-être pouvoir retourner un peu en arrière pour débloquer les portes qui étaient fermées jusque-là. Donc est-ce que ceux qui ont fini le jeu peuvent nous confirmer que c'est considéré comme la pire zone du jeu? Parce que j'ai vu 2-3 personnes dire ça dans le chat. Oh non, ça recommence! Ouais, c'est caca, hein. Bon, c'est caca. Très bien. Non! J'ai la migraine! Je vais pas pouvoir faire l'amour!
100%. Bon bah écoutez, au moins quand on l'aura passé, on pourra se dire, voilà, on l'a passé, ça pourra jamais être pire. Alors du coup, on est déjà repassé ici. Oh my god! Ok, on va pouvoir revenir au début de la zone pour voir toutes les portes fermées. Je vais brûler un cierge pour toi, car cette zone est dantesque. Ne vous inquiétez pas, ça va se passer, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Moi, j'y crois, moi. Bon, alors du coup, c'est bien notre cellule ici. Absolument pas, là, c'est le boss. C'est le troisième stream sur le jeu, là. C'est le troisième. Bien, je vais faire exprès de tomber. Je veux tomber. Ah, alors là par contre je suis tombé de... De haut. Je suis tombé de haut. Y a pas un item qui me permet de... De me barrer dans mes souvenirs? Si, y a un item qui me permet de me barrer. Alors qu'est-ce qu'on a en bibelot? Augmente modérément la récupération d'endurance. Alors déjà on pourrait le remplacer par ça. Modérément la résistance au gel. Augmente modérément les coups critiques. Déjà, on va pouvoir remplacer ces deux-là. Je crois qu'il y a un item qui me permet de me TP, si je me rappelle bien. C'est ça. Dire que si tu avais préco le jeu, tu pourrais tricher avec des gourdes qui te rendent full point de vie. C'est ce que j'ai vu, ouais. J'ai vu ça. Quelle hérésie. J'ai pas besoin de ça, moi. Quelle hérésie. Ah, mais y'a un mec là-bas? Ah bon? J'ai raté un PNJ? Ah mais oui, c'est le mec qui était enfermé derrière une cellule, on va pouvoir le délivrer. Bon alors déjà, moi je veux vraiment tout explorer. Est-ce qu'on peut tout ouvrir là? Alors voilà. C'était toi? Are you méchant? You are méchant, hein.
ça dégage. J'ai mal à la tête. Une feuille de fer froid. Il y avait mille volontés là-dedans quand même. Hein. Alors attention parce que lui il peut te jeter en fait à travers le... Enfin dans le vide. J'adore. Ouais ça va, c'est pas très punitif de crever vu que tu gardes ta volonté et tes levels. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait là lui là? T'es affiché sur mon OBS. Ouais, PTSD Dark Souls 3, ces mobs là là qui te font réduire ta vie. Lui je l'avais tabassé tout à l'heure, il avait disparu. C'est barré, encore une fois. Ah non. Oui. 1600 ça donne. Ah ouais, et ça donne beaucoup de volonté. Non, je compte pas le platine le jeu. Déjà sur le fini, c'est bien. Putain de donjon de Irithyll. Ah oui. Ouais, ouais, ces mobs là qui te font baisser ta vie, quelle horreur. Aidez-moi, ça brûle. Ah bah voilà. Un petit peu de popo. Hein. C'est bien ça. Alors, c'était là, hein, qu'il y avait un monsieur qui me parlait. Putain, mais... Oh, mais toi... Tu commences à être un oursin sur les yeux coups. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est du gros couteau. Hein. Ça, c'est bien de Monster Hunter, ça. Des flammes sur le sol recouvert de cendres soufflées, car bientôt les jours glorieux appartiendront au passé. Transformez-vous en Guaira, taillant les ennemis tout en projetant des flammes dévastatrices, infligeant le fléau de feu. Bien sûr. Quatre âmes égarées à présent. Des pions de sourcils jaunes. Bien. J'en ai buté invisiblement de ce capitaine, il faudra en buter d'autres.